Le genre Prunus regroupe plus de 250 espèces d'arbres et arbustes, dont plusieurs espèces cultivées comme les cerisiers, pêchers et pruniers. Mais connaissez-vous son histoire? Bonjour, je m'appelle Étienne Martin et je vais vous présenter l'histoire évolutive du genre Prunus depuis le Paléocène, il y a environ 61,5 millions d'années. Avant de vous présenter son histoire et sa géographie, et de vous parler des espèces cultivées de ce genre dans des vidéos dédiées, regardons sa composition. Le genre Prunus est généralement subdivisé en trois grands groupes basés sur le type d'inflorescence, c'est-à-dire sur la façon dont les fleurs sont regroupées. Le groupe Solitary contient des espèces à fleurs solitaires, non regroupées, et donc à fruits solitaires. On y trouve notamment les espèces de pêchers, pruniers, amandiers et abricotiers. Le groupe Corymbos contient des espèces aux fleurs regroupées en corymbe, et donc avec des fruits regroupés en corymbe. On y trouve les espèces de cerisiers, comme le cerisier de Sainte-Lucie. Mais d'autres espèces de ce groupe ont un autre type d'inflorescence, des ombelles, c'est-à-dire que plusieurs fleurs partent du même niveau. Elles ont donc des fruits en ombelles. C'est par exemple le cas du cerisier acide, une espèce cultivée pour ses fruits. Enfin, le groupe Racemose comprend des espèces aux fleurs regroupées en grappes ou racèmes, et qui ont donc des grappes de fruits. C'est par exemple le cas du laurier cerise, aussi appelé laurier palme. Les groupes Solitary et Corymbos ne contiennent que des espèces aux feuilles caduques, c'est-à-dire qui tombent, alors que le groupe Racemose possède à la fois des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuilles persistantes. L'ADN des plantes est réparti dans trois types de compartiments au sein des cellules. Le noyau, qui contient la majorité de l'ADN, les plastes, parmi lesquels se trouvent les chloroplastes, dans lesquels se déroule la photosynthèse, et les mitochondries, dans lesquelles se déroule la respiration cellulaire. En se basant sur des séquences d'ADN issues des plastes et du noyau, les études génétiques ont pu confirmer la monophylie du genre Prunus, c'est-à-dire que les espèces qui le composent sont plus apparentées entre elles qu'avec les autres espèces végétales. L'ADN des plastes a également permis de confirmer la monophylie des trois grands groupes Solitary, Corymbos et Racemose, en plaçant les deux premiers plus proches entre eux qu'avec le troisième. Par contre, l'ADN du noyau cellulaire ne confirme que la monophylie du groupe Solitary, mélangeant les deux autres dans un deuxième groupe. Pour expliquer ces résultats différents, les chercheurs à l'origine de ces études génétiques ont proposé comme hypothèse plusieurs événements d'hybridation. Chez les plantes, les plastes sont majoritairement transmis par le parent maternel, alors que l'ADN du noyau est transmis par les deux parents, ce qui fait dire aux chercheurs que le groupe Corymbos solitari serait le ou les parents mâles, donneurs de pollen, tandis que les parents maternels seraient du groupe Racemose. La polyploïdie est la multiplication de tous les chromosomes. C'est un phénomène fréquent chez les plantes. Le genre Prunus possède 8 chromosomes de base. La plupart des espèces des groupes Solitary et Corymbos sont diploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent 2 lots de chromosomes par cellule, soit 16 chromosomes. Le groupe Racemose contient de nombreuses espèces avec un plus grand niveau de polyploïdie, c'est-à-dire plus de lots de chromosomes. Ils peuvent par exemple être tétraploïdes, c'est-à-dire avoir 4 lots de chromosomes. Le laurier cerise, Prunus laurocerasus, en a même 22 lots, soit 176 chromosomes. Quand la polyploïdie intervient au cours d'un croisement au sein d'une même espèce, on parle d'autopolyploïdie. Quand elle intervient au cours d'une hybridation entre deux espèces différentes, on parle d'allopolyploïdie. C'est ce phénomène que proposent les chercheurs pour expliquer les résultats génétiques du groupe Racemose. À partir des informations génétiques, on peut diviser le groupe Solitary en trois sous-genres. Prunus et Amygdalus, qui sont apparentés, et Amplectocladus, qui est plus éloigné. Le sous-genre Prunus peut être subdivisé en plusieurs sections. Prunus, qui regroupe les espèces de pruniers européens, comprenant notamment le prunier cultivé Prunus domestica. Prunocerasus, qui regroupe les espèces de pruniers américains, par exemple le prunier des Chicasso, Prunus angustifolia. Armeniaca, qui regroupe les espèces d'abricotiers, notamment l'abricotier cultivé Prunus armeniaca. Et enfin, Microcerasus,
auparavant classé parmi les cerisiers, qui comprend notamment le cerisier de Corée, Prunus japonica. Le sous-genre Amygdalus peut être subdivisé en deux sections. Amygdalus, regroupant les espèces d'amandiers, notamment l'amandier cultivé Prunus dulcis, et Persica, regroupant les espèces de pêchers, notamment le pêcher cultivé Prunus persica. Le sous-genre Amplectocladus regroupe quant à lui les espèces d'amandiers du désert, des arbustes nord-américains, par exemple Prunus fasciculata. Même si les données génétiques des plastes et du noyau cellulaire soutiennent la monophylie du groupe Solitary, certaines espèces au sein de ce groupe se retrouvent placées différemment en fonction de si l'on regarde l'ADN des plastes ou celui du noyau. La bricotier de Sibérie, Prunus sibirica, est une de ces espèces. Il se retrouve classé avec les abricotiers dans la section Armeniaca quand on regarde l'ADN du noyau et avec les pruniers dans la section Prunus lorsque l'on regarde l'ADN des plastes. Ça pourrait s'expliquer par une hybridation entre un prunier et un abricotier. L'amandier de Chine, Prunus triloba, est quant à lui classé dans la section Microcerasus quand on regarde l'ADN du noyau et avec les abricotiers dans la section Armeniaca quand on regarde l'ADN des plastes. Ça pourrait s'expliquer par une hybridation entre ces deux sections. Cette espèce est octoploïde, c'est-à-dire qu'elle a 8 lots de chromosomes, soit 4 fois plus que la plupart des espèces de ces sections. Elle est donc probablement issue d'un processus d'allopolyploïdie. Dans cette vidéo, nous avons vu que le genre Prunus peut être divisé en 3 grands groupes basés sur le type d'inflorescence et l'ADN des plastes, mais pas l'ADN du noyau cellulaire. Ce qui peut s'expliquer par des hybridations entre plusieurs espèces du genre, ayant entraîné pour certains de l'allopolyploïdie, c'est-à-dire une multiplication du nombre de lots de chromosomes. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai l'origine de ce genre et la dispersion de ces différents grands groupes sur la planète au cours du temps.